Ouh, bienvenue dans le Grenat Time. Victoire 2-1 face à QRM pour la J28 à l'extérieur. Wouh! On débriefe ça tout de suite, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ceux qui suivent toujours pas le Grenat Time et les avant-matchs, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quand je vous dis des trucs, les gars, écoutez-moi! Allez, générique. C'est l'entrée d'Ismaël Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, hein. Je peux vous dire 3. Hein. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Comme j'ai dit dans l'avant-match, la physionomie, c'est certainement on va galérer, mais je voyais un carton. Certes, on n'a pas fait un 4-1, on n'a pas fait un 3-1, mais je vous ai dit un carton sur le tard. Un carton à partir de la 70e. Oh, mais non! Donc pour ceux qui n'ont pas vu le match, but de Maziz à la 72e et but de Habib Maïga à la 81e. Et merci beaucoup parce que l'équipe sans être flamboyante, elle a fonctionné quoi. Même si c'est Metz qui remporte les 3 points, j'aimerais quand même saluer quelques personnes en particulier. Mathieu Udol, top 1, mon chouchou. Le mec qui est beau gosse, qui est super, qui est nickel, qui est un champion, tout simplement, champion défensivement. Parce que en fin de match, là, quand il rate son intervention offensive, il nous fait un rush dans les 10 dernières minutes, il nous fait un rush de, je sais pas, 70 mètres. Et le gars revient en défense pour tamponner celui qui va venir en attaque. Waouh! Merci beaucoup, et c'est celui qui nous délire, et c'est celui qui a été surtout opportuniste et qui s'est dit le côté droit est libre, le défenseur droit Alpha Sissoko est sorti, il est pas bien remplacé, il est changé par un mec offensif, je vais m'y mettre, je vais enfoncer le clou de ce côté, parce qu'il y a eu un tampon, mais moi je suis encore sur le terrain, moi je vais aller déborder, délivrer un centre, et là, osmose, parce que alchimie, parce que télékinésie entre les deux joueurs, Maziz se jette au premier poteau, le ballon est parfaitement donné, c'est pas avec un centre de Lamine Gueye qu'on aurait eu un but ce soir, moi je vous le dis, et Udol, il met un super ballon, tête plongeante, magnifique le but, magnifique, opportuniste, parce que tactiquement, c'est incroyablement intelligent d'avoir insisté sur ce côté gauche, non, droit, du coup, pour QRM, alors que, du coup, enfin, puisque le mec sortait et que, du coup, il y avait une carence défensive là-bas, et Maziz qui finit bien avec une tête plongeante où il donne tout, ça fait plaisir, Maziz, ça fait plaisir. Sous le match, t'es moyen, mais t'arrives à nous placer ce but, et merci, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, ton génie, tes petites illuminations, comme j'avais dit en avant-match. Avant ce dernier but qu'on s'est pris à la 88e, je disais, Oukidja solide, défensivement, on a été correct, génial. Mais bon, faut que je relativise un peu, parce que je pense que ce but, on aurait peut-être pu l'éviter. La contre-attaque, le but est magnifique, mais pourquoi? Parce que dans la contre-attaque, Sabali, il essaye de se jeter, mais bon, vu qu'il n'est pas assez costaud, le gamin, bah, il n'y va pas à fond, parce qu'il sait qu'il va se faire bouger, donc l'autre, il continue, déboule. Après, je crois que c'est Dan Léjean-Jacques qui va pas mettre le pied à fond. Et ouais, le gars, il va bien manager parce que y a Mafuta qui fait la feinte, Coudrin qui s'efface, et puis il centre, et Oukidja, je pense que t'aurais pu l'avoir. Voilà, bon, ça fait chier pour clean sheet, ça fait chier pour toi en vrai. Donc, voilà, mais c'est bon, on repart avec 3 points. Par contre, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai cité le nom de Cheikh Sabali parce qu'il y a un truc qui m'a énormément dérangé chez lui sur ce match, et c'est une toute petite action. Mais vous dites généralement que je suis critique, mais en une petite action, il m'a énervé tout un match. À la 90 plus je sais pas combien, une catastrophe qu'on n'ait pas su le temps additionnel, le mec, il y a un ballon qui vient vers lui, un attaquant qui va vers le ballon, et il va pas au duel aérien. Alors qu'on est tout proche de la surface, qu'on a un peu la tête sous l'eau, qu'il nous met un peu le feu, il y a 2-3 actions qui passent tout près des poteaux. Tu vas pas au duel à rien. Au moins, tu gênes pas le joueur. Tu ne risques pas un contact et tu te dis, oh, mais il l'aura pas. Non. En Ligue 2, ça passe plus, ça. En Ligue 2, ça passe plus. Et même d'un point de vue général, Cheikh Sabali, t'as un coup de rein.
exceptionnel. T'arrives à éliminer des joueurs exceptionnellement bien. Par contre, applique-toi. C'est ça, vraiment, c'est applique-toi, sens-toi concerné. Des fois, tu glisses, des fois, tu t'appuies par ta passe, des fois, tu mets dans le tempo, mais un tempo qui sonne comme une mauvaise note. Enfin, j'ai pas de ref musical à ce point-là, mais putain, c'est un tempo que t'allais trouver ailleurs. Applique-toi, c'est comme Lamine Gay, on l'a vu ton potentiel dans la dernière saison, mais applique-toi. Oh, c'est trop dommage, on va devoir les prêter, ou je sais pas, ou qu'ils se sentent plus impliqués, ou qu'ils aient un déclic psychologique, mais ils ont un potentiel de malade, mais il faut juste qu'ils s'appliquent, qu'ils retrouvent un peu de confiance. Voilà, c'est de bon, enfin bref, ça c'est annexe. Monsieur l'arbitre aussi, on va pas parler de votre arbitrage parce que voilà, Sissoko, certes, il se blesse, oh il est remplacé, il tamponne Mathieu Udol, hein, il le tamponne bien, hein, par contre, genre vraiment là, c'est lui qui vient vers le ballon, il n'y a pas de force égale, c'est vraiment lui qui vient tamponner notre joueur et pourtant pas de jaune, un penalty qui n'est pas sifflé sur Cheikh Sabali avec un petit ballon qui cafouille comme ça, on est proche de marquer. Et Cheikh Sabali se fait faucher, mais d'une manière. Oh là là, s'il n'y a pas la VAR, les arbitres, c'est quand même limite en Ligue 2. C'est quand même limite en Ligue 2. Et on va finir ce débrief par remercier Habib Maïga. Je suppose que ça te fait plaisir. Voilà, tu l'as calé ta tête. Miko Tadze, tu l'as donné dans le bon, dans la bonne zone, au bon endroit, bon timing et tout, parfait. On sent que c'était facile, que juste QRM était plus concerné, sentait plus concentré, ils se sont dit putain, on a tenu jusqu'à 110e, on se prend ce but de merde, voilà. Et nous, on leur a mis deuxième. Qui nous est utile? Laszlo Bologna, Mister 1-0. Voilà les joueurs. Maintenant, il faut les planter ces deuxièmes buts. Malheureusement, Sochaux et Bordeaux ont gagné 1-0 sur le tard aussi. C'est ça qui rend fou, c'est sur le tard, c'est que Sochaux a mis son 1-0 à la 88e face à Grenoble et Bordeaux, ils ont mis leur but à la 81e. Ça fait chier. Mais bon, il faut qu'on continue. Il faut qu'on les agresse. Il faut qu'on les colle. Parce que quand on va les coller, on va avoir notre face-à-face. On va avoir notre chance. Et c'est eux qui sont devant nous, pas l'inverse. Donc du coup, c'est à nous de leur prendre les points. Donc on va leur prendre parce qu'on sera à domicile, parce qu'on va pousser, parce qu'on va ramener ces 3 points, parce qu'on venait à domicile, et ça on en parlera dans les avant-matchs, et écoutez-les maintenant. Mais bonne soirée, merci Metz, et vraiment, merci Udol, merci, merci, merci. Bonne soirée.